Bon, yo tout le monde, je vous souhaite bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, donc là, comme vous l'avez lu dans le titre et la miniature aujourd'hui, je vais faire une surprise à un sans-abri, ok? Je vais le surprendre avec la nourriture, du jus et plein de choses là-dedans. Reste jusqu'à la fin si tu découvres ce que je lui ai donné. Donc, pour vous raconter l'histoire de comment je l'ai rencontré, j'avais un stage, ok? Et un stage, c'est un endroit où tu dois travailler gratuitement, là, tu vois, pour l'école. Donc là, j'avais un stage dans un petit magasin, là, où tout est pas cher, tu vois. Genre, là-bas, tu peux trouver des choses à genre 2 balles. Alors qu'en magasin, les grands magasins, là, c'est genre 5 $, 6 $, 7 $, même 10 $, tu vois. Tout est pas cher là-bas. Et puis, j'étais en stage là-bas, et puis régulièrement, il y avait un sans-abri qui venait là-bas qui s'appelait Eric, ok? C'est celui que je vais surprendre dans la vidéo, là. Donc là, il venait là-bas avec un petit peu d'argent, tu vois, il disait toujours j'ai faim, j'ai envie d'acheter du pain, du beurre, des petits trucs comme ça pour me remplir le ventre, tu vois. Et puis là maintenant, à des moments, il me disait il avait une fille, 2 filles, il me disait qu'il dort à la rue, il me disait que pour sauver sa nourriture, il prenait 2 bois, tu vois, comme dans les anciens temps là, il prenait 2 bois, il les frottait ensemble, des trucs comme ça là, tu vois, comme dans les films là. Et puis là maintenant, j'ai trouvé ça ouf, hein. Et puis c'est un bon gars, tu vois, genre, toujours il est là, il est toujours junior, passe une bonne journée, il est toujours souriant, il est toujours genre, tu vois, il est toujours gentil et tout là. Et puis là, la semaine passée, je l'ai vu et puis je lui ai demandé s'il voulait qu'on se voit aujourd'hui, tu vois. Donc là, il a dit oui, pourquoi pas, il m'a donné l'adresse. Oh putain de merde, j'ai dit l'adresse. Oh my god. Ok, il m'a donné l'endroit où il reste. Il m'a donné l'endroit où il reste, à côté d'une plage là. Et puis on s'est dit qu'on allait se voir aujourd'hui. J'espère qu'il sera là. Moi je suis à l'heure là. Non, il reste 30 minutes encore avant qu'on se voit. J'espère qu'il sera là. On va discuter, parler et tout. Et puis il m'a dit qu'il était d'accord. Tu vois, je lui ai dit est-ce que tu aimerais faire une vidéo avec moi et tout. Il a dit oui, pourquoi pas. Genre, je vais t'aider, Junior. Ça me dérange pas à 100%. Tu vois, il est hyper cool. Donc là, je vais aller le voir. On va le surprendre. On va juste discuter avec lui, parler de tout et tout et tout. Et puis on va voir la suite quoi. Tu vois. Et regardez qui est derrière là, mais il veut pas parler. Mais what? Sors! What? Tu vas parler ou pas? Mais oui, je vais parler. Ouais, il a dit, il m'accompagner. Moi, j'avais l'intention d'y aller tout seul. Il a dit non, je viens avec toi. Parce que j'ai pas envie de rester seul à la maison. T'es seul à la maison, il y a quelqu'un à la maison. Merci. T'es seul à la maison? J'ai compris, Junior, tu sais très bien pourquoi. Mais montre-toi. Montre-toi. Mais je suis là. Dis hello, tout le monde et tout. Ouais, c'est ça, hey, parle, hey, non? Hey, hey. Est-ce que tu vas parler ou pas? Quand il sera là? Je sais pas. Hein. Mais bon, on y va là. Go. T'as quelque chose à dire ou pas, Bijou? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est ça. Ok, c'est ça. Bon, on y va les gars. Les gars, je viens d'acheter la pizza là. C'est une petite pizza là, c'est pour une personne. T'sais. Je savais pas que c'était aussi petit que ça. Moi j'avais l'intention d'acheter une pizza Bambino. Et c'est à ça que ça ressemble. Moi je pense que c'était plus gros les gars. Mais bon, c'est 4 points, c'est juste pour une personne. Donc là, on va lui donner ça. On va avoir besoin d'un sac. Je prends celui-là. On va le remplir, ok. Mais bien là, rempli de nourriture et tout là. C'est bon, on y va là. Oh les gars, je sais qu'à chaque fois qu'il venait ici, à chaque fois qu'il prend quelque chose, il prend quelque chose qui va aller ensemble, tu vois. Donc là, il va pas prendre du pain pour rien. Il prend du pain avec du beurre ou du Nutella. Il va prendre du jus avec des chips, tu vois. Mais bon, tout ce que j'ai pris là, ça va ensemble. On va prendre du pain blanc. Ouais, comme ça, là. Ça va être hyper bon. On va prendre ça avec du beurre, peut-être, ou du Nutella. Vous voyez ici, les gars, 5 balles pour... Ok. Je sais qu'en magasin... C'est aussi cher qu'en magasin ou pas? 5 balles pour du Nutella. On dirait que ça a augmenté, là. Je croyais que tout était pas cher ici. Mais bon, deux au chocolat, ça va être bon ça. Non, on va prendre ça avec la confiture, c'est le plus simple. Ouais, la confiture, c'est le plus mangeable parce que ça là, je suis pas sûr là. Tout ça ici, je suis pas sûr. Ça va être plus mangeable. Je vais continuer à voir ce que je vais prendre là pour lui. On va essayer de matcher tout ce que je prends là. Comme ça, je vais rien prendre pour rien. Lui, il prend toujours des choses parce qu'il calcule tout, tu vois. Il a pas beaucoup de sous, donc là, il calcule tout ce qu'il prend. Mais là, je vais en prendre plus qu'il prend d'habitude, tu vois. Donc ça me dérange pas. Et voilà quoi. Donc je vais vous montrer après le sac. On va continuer. Les gars, voici les sacs qu'on va lui donner. Vous voyez ou pas? Vous voyez comment c'est lourd? Moi, normalement, je suis un des gars les plus forts au monde, tu vois. Et du moment où j'arrive pas vraiment à lever 2 sacs qui sont lourds, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de bouffe dedans, tu vois. Donc là. On va présenter à Bijou qu'est-ce qu'il y a dans les sacs parce qu'il sait pas. Et vous aussi, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dans les sacs. Commence avec le pain. C'est bon ou pas? Ouais, du pain. Ouais, du pain. Avec le pain, j'ai pris à côté. C'est bon ou pas? Confusion d'orange, toi t'aimes ça ou pas? Non. T'aimes pas? Non. Pourquoi? Mais j'ai pas trouvé de confusion de pommes. Y avait des Nutella ou non? Non, y'avait plus. Ça va aller avec ça, tu vois, les deux. Est-ce que je te passe toi à l'arrière et là après tu mets dans le sac? Je vais tout te passer. Ça va avec ça. Prends, Bijou. Quand tu souris comme ça, t'es bizarre, vas-y là. Bon, c'est ça, j'ai pris ça. C'est genre un pain gâteau là. Ah, c'est ce que t'as amené. Ouais, j'ai pris ça la dernière fois. Un pain gâteau italien là, genre c'est au raisin sec et ça c'est bon là, tu vois. Je sais pas s'il prend ça mais il va aimer genre, tu vois. Genre, mais qui n'aime pas ça toi? Et c'est quoi avec? Ben avec ça, ça va être ça. Avec ça, toi tu manges ça à côté et à côté tu bois ça, un jus. Okay. Tu vois? Ça va être à côté, ensemble. Et puis ensuite de ça j'ai pris ça la dernière fois quand j'étais là il avait pris ça. Il aimait ça en tout cas, ça je sais qu'il aimait ça.
un espèce de gâteau là, regardez ici. Ça là. Tu vois pas, Bijon? Vous voyez les gars? Un espèce de gâteau. Ça, je sais qu'il aimait, il prenait ça. Et je sais qu'une fois, quand il était venu, il a pris ça là, il a dit, hey, c'est trop beau ce gâteau là, est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en avait plus ce moment là, tu vois. Donc il a dit, j'avais pris la dernière fois, je l'ai mangé en un coup. Ça va aller avec le jus, parce que je sais pas. Un gâteau va aller avec quoi? On prend un gâteau avec quoi? Du lait. Du lait et. J'ai pas pris le lait parce que je me suis dit que ça va gâter, ça va pourrir. Non? Ouais, ça va pas pourrir, non? Si, si, finit pas ça en un jour, genre. Ouais. Dis-le encore. T'as fait des bons choix. Dis-le encore. T'as fait des bons choix. Yeah! J'ai fait des bons choix. Je sais. Je sais que j'ai fait des bons choix. Regarde comme ça. Mets les trucs lourds là. Genre, tu vois le gros pain et tout là. Tu vas mettre ça dedans. Mets la terre. Mets la terre si tu veux. Ensuite de ça, ici, les gars. Bijou. Mais je présente ça à vous et à Bijou. J'ai pris ça. Des Rice Krispies. Ouais, nice. Ouais, ça c'est bon. C'est genre un truc à grignoter, tu vois. Avec ça. Mais avec ça, le jus, frère. Le jus va avec tout. C'est bon là, non, tu vois? Ça va prendre déjà l'heure parce qu'il y a trop de choses à grignoter. Hey, il va prendre ça avec ça. Ça, il va prendre ça avec quoi? Avec le pain, tu vois le pain là? Ouais. Fais ça, prends ça avec un truc sucré. C'est un peu dégueulasse au bout du col. Donc ça, il pourra prendre ça avec un pain à côté. Tu peux mettre ça aussi derrière. Ensuite de ça, des chips. Ouais, tu vois pas? Barbecue. Ouais. Des chips au barbecue. Ça, il prend ça avec ça. Ouais, ouais, il pourra grignoter ça, tu vois, tranquille. Il pourra manger ça bien à l'aise. Et puis, j'ai pris des raisins. Vous êtes prenez une seconde, j'allais dire des fraises. Des raisins. J'ai pris des raisins. Regardez ça. Et après ça, c'est fini. Ben, en fait, en vérité, j'ai pris un autre jus, mais ça, c'est à moi. Tu vois, genre, j'avais soif là. Tu peux en avoir un peu? Mais je t'ai pris ça aussi si tu veux. Oh, parfait. Oh, ouais, c'est ça. Donc, ouais. Fais d'abord les sacs. Dépose ça. Fais d'abord les sacs. Regardez de quoi ça a l'air la pizza. Regardez ça. Oh! Oh, il y a le reflet là, je sais pas si vous voyez bien. Ça donne grave envie, la vérité. C'était à côté de Bijou tout à l'heure, il a dit prends-le s'il te plaît, sinon je vais manger. On y va là, c'est bon, c'est fait un peu de vidéo, on va le voir. Fais ma pizza. Je l'ai fermé comme toi. Quand on est arrivé, regardez ça. Je sais pas où je vais pouvoir le trouver dans tout ça là, mais bon, on va essayer de trouver. Et Bijou, lui, il a dit qu'il reste dans la voiture. Tu veux pas venir? Okay. Bon, bye. Les gars, là, le moment est venu d'aller le trouver. Eric, oh, ce serait pas lui là? Ah non, il y a un bout qui fouillait dans la. Vous avez compris ce que je veux dire, mais bon. Où je l'ai trouvé dans tout ça, frère, c'est grand! Bonjour, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Eric ici? Ouais. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Eric? Non. Non? Bonne journée. Quoi? Ouais! Je comprends pas ce qu'il dit, mais bon. Il m'a dit qu'il était toujours au bord de l'eau. Au bord de l'eau, devant des bateaux. Mais les bateaux, il y en a partout, frère. Sois spécifique. Devant les bateaux, frère. Je crois qu'il y avait juste un petit bateau, un gros bateau ici. Mais il y en a beaucoup ici. Oui, il est juste là-bas. Je vois quelqu'un là-bas, là. Vous voyez au milieu, là? Waouh. Regardez la vue. Ce bouc-là me fait peur, mais bon. C'est pas... Oui. Ne regarde pas, s'il te plaît. Ne regarde pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne regarde pas. Bonjour. Pardon? Pardon? What the fuck? Je filme seulement la vue. Le bouc est aigri, frère. Filme ailleurs. Wesh. C'est sa musique, ça. L'aigri, là, c'est sa musique. Vous savez, vous entendez? C'était pour une seule génération. Bon, c'est bon, on se casse là, on continue à chercher Eric là. Filme ailleurs! Filme ailleurs! Comment fou, si ta femme t'a quitté ce matin? Bijou, à l'instant, vient de m'appeler pour me dire que il a vu un bouc habillé en noir avec du long cheveux noir qui est dans le parking. Donc, c'est sûrement lui! Les gars, on va se dépêcher là! Je vais me dépêcher parce que sinon on va le monter! J'espère que Bijou ne ment pas là! Là, je me dépêche là, les gars, d'y aller. On espère que c'est lui. Est-ce qu'il a un sac? Il a un sac? Un sac à main? Ok, bye, j'arrive! Bye! Je pense que c'est lui, les gars! Vous voyez devant là? Vous voyez ici là? Les gars, finalement, c'est pas lui. Regardez ça, vous allez comprendre. Il y a une voiture.
Donc c'est pas lui, c'est impossible. Donc on s'est juste trompé. Mais il a les cheveux longs. Je sais qu'il a un peu de cheveux longs. Là, je vais essayer d'aller de l'autre côté là. J'étais du côté opposé de la rive là. Il y a des mouches comme ça. De la rivière là. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais aller du côté opposé. Peut-être que de ce côté là. Moi, c'est là-bas. Peut-être qu'il est là-bas. Je vais pas plus loin. Regardez comme l'eau est puissante. Vous entendez? Dangereux ça. Restez toujours loin de l'eau. On continue à essayer de le trouver, mais les gars, je pense pas qu'il est aussi loin que ça. Je pense pas qu'il est aussi loin. Oui, j'ai cru avoir vu une tête là. J'ai cru avoir vu une tête, genre. Je sais pas, on dirait que je deviens parano là ici. Les gars, j'ai grave cherché. Je l'ai grave cherché, genre. Je sais pas à quel point j'ai marché là. Je pense qu'on va se reposer un peu. Ensuite de ça, on va rechercher après dans peut-être 10-15 minutes. Et toi, t'as eu peur. Tu dormais? Hein? Oh, je l'ai pas trouvé. On fait quoi alors? Hein? Tu veux qu'on quitte ici à quelle heure? Parle, on dirait une femme enceinte, frère. Parle. Je sais pas. Ok, on va quitter ici à 20h, ok? Je sais pas si tu m'accompagnes, hein? Si tu voulais te porter volontaire pour venir. Donc, tu vas assumer tout. Tu voulais venir toi-même, non? Je sais jamais si tu veux venir, hein? Donc là, disons, dans 2 heures, je vais repartir, remarcher pour voir si on le retrouve ou pas. Ok? Et on quitte ici à genre 17h, 16h. 16h, 17h max. Mais je pense qu'à un moment de la journée, à une heure de la journée, je pourrais le voir. Les gars, on a changé d'endroit pour pouvoir essayer de le trouver. Je pense qu'on est proche de le retrouver parce que là où on était, là, c'était opposé. Tu vois, c'était au fond là-bas, là. Et lui m'avait parlé d'un truc du genre qu'il est proche du pont. Vous voyez le pont qui est juste là? Je sais pas si vous le voyez. Il est proche du pont. Donc là, moi, j'étais au fond là-bas. Donc on voyait même pas le pont. Ce qui veut dire, c'est posé qu'il pouvait être là-bas. Il doit être quelque part ici, tu vois, proche du pont. Encore de la marche à faire, hein. Ça pue le poisson, frère. Les gars, mais j'étais trop fatigué. Donc il est allé à la voiture, là. Pendant que moi, je continue un peu la recherche. Et là, tout à l'heure, j'étais là-bas. Vous voyez, il y avait un bug en rouge là. Je ne sais pas si on va le voir. Il y avait un bug ici en rouge là. Je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait celui que je cherche là. Il a dit non, mais il y a plein de gens qui sont ici. Donc, de continuer ma route ici là et je vais peut-être trouver la personne que je cherche. Donc là, je continue à marcher. Je fais la recherche seul maintenant. Et les gars, là, c'est pas des poisons que ça sent. C'est de la merde. Ça sent du caca. Je ne sais même pas, ça sent du caca de oiseau. Je ne sais pas si c'est des humains qui ont fait. Oh putain! Il y a une dame qui est en haut là, qui me regarde là, je sais pas qu'est-ce que. Là là, mais. Ceux qui sont ici, c'est pas des gens qui sont nécessairement à la rue, tu vois. Il y en a qui viennent juste pêcher, il y en a qui viennent juste prendre de l'air et tout là. Mais il n'y a pas d'air à prendre ici, c'est juste. Tu vas prendre de la merde au fait, tu vas prendre de l'air. C'est fort. Attends. Ici... Oh! J'ai dit que ça allait mieux maintenant. Il y en a qui vont faire du bateau ici. Bien. Je suis bien. Mais bien! Là, je viens de quitter là où j'étais là, c'était bloqué par l'eau. Donc là, je suis monté, je suis arrivé ici. Et puis, on est censé le voir là. Parce que oui, là, on est devant le pont, les gars. Il m'a parlé du pont. Là, on est vraiment devant le pont. Il est censé être quelque part en bas ici, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il est là, les gars. Il est censé être là. Je suis venu garer la voiture ici en plus. Regardez tout l'espace qu'il y a. On allait à tout l'opposé là. On est au fond là-bas, frère. Nous sommes arrivés devant le pont, les gars. Le lieu de rencontre officiel. Officiel. Dites-moi qu'il est là, frère. Les gars, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un là. Oh. Non, les oiseaux, je vais les dire 2 mois après, frère. Leur odeur de merde là. C'est pas lui. Bouger avec un chien. Je suis pas allé de ce côté-là. On va aller là pour voir déjà de 1. S'il est là. Oh, il y a une tente ici, il doit être là. Imaginez, il est là. Les gars, là, je sens vraiment qu'on se rapproche du but là. Eric, les gars, j'ai vraiment pas envie que quelqu'un sorte avec une hache là. J'ai pas envie que quelqu'un sorte avec une scie là, il croit vraiment. Y'a quelqu'un?
Non, il n'est pas là. Ben, peut-être même c'est pas à lui ça, tu vois, mais moi. La personne n'est pas là. Prochaine étape. Wesh. Non. Pardon, ne le laisse pas. Frère, je suis arrivé, le bout commence à aboyer, frère. Monsieur commence à... Bon, là, on est devant le pont. Frère, dis-moi, t'es où? Vas-y, juste dis-moi, t'es où? Et garantie, les gars, je ne sors pas par là. Pas avec le chien qui est devant en train d'aboyer, là. Cherchez par ici ou une autre sortie, là. Je prends une autre sortie. En plus, le gars dit, c'est un bon chien, t'inquiète, passe. C'est un bon chien, t'inquiète, passe. Non, tu le gardes, frère. Il n'y a pas de c'est un bon chien, tu le gardes. Tu le gardes comme ça, genre. Ça mise bien, eux, hein. On va aller dans la voiture, on va voir ce qu'on va faire. Parce que là, les gars, on est dehors, ça fait genre 3 heures. Je pense qu'il n'y a plus rien là-bas. Là, c'est juste l'arbre, les arbres et le bois, là, tu vois. Il n'y a pas d'endroit où rester. Donc ça m'étonnerait qu'il soit quelque part ici. Oh, fuck. Oh, shit. J'ai une mission pour vous, ok? Essayez de trouver un gars qui s'appelle Eric. Un peu barbu, longs cheveux. Ok? Celui qui réussit à le retrouver a du pain. Qui est partant? Celui qui est partant, mettez-vous en ligne ici. Comme lui là, lui il est partant, ok? Mettez-vous en ligne, derrière lui. Vous volez comme ça? Et vous trouvez, ok? Vous le trouvez, celui qui me le trouve. Vous venez me voir, vous me le dites. Il est là. Et vous gagnez du pain. Du pain, du bon pain là, bien frais, ok? Mettez-vous en ligne ici, s'il vous plaît. Toi, non, pas, on n'est pas assis, s'il te plaît, lève-toi. On n'est pas assis. Hé, hey, lève-toi, on n'est pas assis. Coucou. Y a personne qui parle là? Ok, non, ouais. Je n'ai pas parlé parce que vous me respectez, tu vois. Quand je parle, vous vous taisez. Ça, c'est respectable, tu vois. C'est cool. Y a pas de. Ah, ah, pas de ça. On sait qu'ils s'apprêtent à m'attaquer là? Parce qu'ils se mettent vraiment en ligne là, les gars. Les gars, ils se mettent vraiment en ligne là. Regardez ça. C'est genre une position d'attaque là? Hell no! Ouais, je vais m'éloigner un peu de tout ça. Yeah. Celui qui le trouve a du pain. Appelez-moi si vous l'avez trouvé, ok? Juste appelez-moi. Vous aussi ici, hein? Vous êtes intéressé, faites-le. Pas intéressé? Ok, vas-y, marchez. Je m'en fous de vous. C'est ça. Bon, les gars, je viens d'arriver de ma longue marche. Regarde comment je suis, Bijou. Il fait chaud en plus là. Donc ça fait genre 3 heures qu'on cherche, hein, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je pense que je vais revenir demain. Ça, je reviens ou non? Mm. Je sais pas si ça apparaît, mais c'est un gros sport. C'est vraiment la grosse marche que j'ai fait là aujourd'hui. J'ai marché peut-être genre 20 km aujourd'hui. Oh, tu bug. Quoi? J'abuse? Pas plus de 3 km. Bon, j'ai marché 20 km, t'as un souci? Non. Ok, j'ai marché. Ok, je vais réaliser, j'ai marché 5 km aujourd'hui, les gars. Vraiment, j'ai marché 5 km aujourd'hui. Je suis là, arrivé à la maison, je prends une belle douche, frère. Je m'en fous. Donc on a marché au fond là-bas. On est venu ici, j'ai garé la voiture ici. On a marché de l'autre côté. Et frère, ça continue à aller loin. Mais je pense que là où j'étais tout à l'heure, là on était là, c'était pas le bon endroit. Quand t'as vu ça, quelqu'un peut vivre là-bas? Là-bas, là? Là où j'ai vu là? Ouais. Je pense que ouais, il y a des gens qui peuvent vivre là-bas. Genre, il y a une chaise, j'ai vu un endroit, il y avait une tente. Ça m'a. Ah, pas mentir, ça m'a ça fait un peu peur. C'est là? C'est là? Je pense que c'est là qu'il est. Il dort là, ouais. T'es sûr? Oui. Il y a une tente jaune là. Mais c'est sûr. Moi, je crois qu'il dormait comme ça au soleil, genre. Il peut dormir dans une tente. Moi je crois que c'est là-bas. Tu crois que c'est là? C'est là parce que j'ai vu une tente là, j'ai dit allô. Je croyais qu'il y avait quelqu'un de random. Peut-être que c'était pas lui. Mais il n'y a personne qui est sorti. Donc ça peut être là, c'est ça? Oui. Il peut dormir là. Mais il y en a qui dorment comme ça, non? Genre. Ça, sans tente. Je pense pas qu'ils vont dormir là. Je pense qu'ils vont plus dormir dans des endroits publics. Oh, c'est vrai, donc ça doit être ça. Les gars, toi tu sais pas de quoi je parle, je vais te montrer après. Ce qu'on a vu tout à l'heure là, ça doit être ça alors. Donc voilà, au moins maintenant que je connais l'endroit, en plus on voyait vraiment le pont. Ouais, vraiment le pont. Donc maintenant que je connais l'endroit, demain je vais pas aller à l'opposé ou quoi. Je viens directement ici, je reste là. Vers disons, je sais pas quelle heure, je vais essayer de venir tôt. Et s'il est là, je lui donne. Il n'est pas là, on va revenir après demain.
Bonne journée aujourd'hui. Allez, comment je suis lui. Toi, si tu sues. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Tu peux conduire comme ça ou pas? On va en prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur, vous êtes torse nu, c'est illégal, mais bon. Likez la vidéo, il a dit. Abonnez-vous. Ouais, voilà. Et... Non, non, c'est pas fini. Continuez la suite. Continuez la suite de la vidéo, voilà. Yo tout le monde, là on est le jour 2 pour la recherche de Eric et pour lui donner tout ce qu'on a acheté et tout, et tu vas parler avec lui et tout. Et on va aller directement là où on était allé hier en fin de journée là. On va pas aller là où on est allé au fond là et on a commencé à le chercher pour rien là, genre nulle part. Ici c'est plus logique, devant un point et tout. Là je me suis réveillé tout les gars, juste pour ça, genre là, je pense qu'il est genre 8h30 du matin. J'ai dormi à genre 3h du matin hier nuit, ben cette nuit, et là je me suis réveillé à 8h parce que je me suis dit que si je me réveille tôt et je vais tôt, c'est sûr qu'il sera là, tu vois. Il sera pas en train de marcher à 6h du matin, tu vois, il doit être là en train de dormir. Donc là je me suis dit que il va falloir que je me réveille tôt, sinon la recherche de Eric et pour lui donner tout ce que j'ai acheté là va durer des jours et je pense que tout va pourrir là à ce point. J'ai tout mis dans mon coffre et puis oh les gars, va falloir que je vous avoue quelque chose. Vous voyez la pizza qu'on a acheté hier là, comment le dire sans être méchant, bon, elle n'existe plus, ok. La pizza n'existe plus, mais il y a des bonnes raisons, les gars. Hier, on avait grave faim pendant les recherches. Bijou avait grave faim, j'avais grave faim. Et si je l'avais laissé comme ça dans la voiture, les gars, elle allait pourrir. Elle allait même plus être bonne. Là, elle est vraiment froide, là. Elle allait vraiment être froide, glacée, genre. Tu vois, quand la pizza, t'as laissé ça là pendant genre un jour, et tu la manges, ça n'a pas le même goût, hein. C'est pas chaud et tout. Moi, je croyais qu'on allait le rencontrer directement quand on venait. Et là, on donnait la pizza bien chaude et tout. Il la mange et on discute et tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc là, frère, l'histoire a un peu changé, là, tu vois. Le football a changé, hein, l'histoire a changé, donc là, il n'existe plus, mais il y a un truc assez spécial avec cette boîte de pizza là, on l'a quand même gardé, parce que, regardez ça. Et en passant, c'était l'idée à Bijou de faire ça, regardez ça, vous voyez la boîte de pizza, je vais le donner comme ça, il va dire, oh, c'est quoi, c'est de la pizza, c'est quoi? Il va l'ouvrir, comme ça, oh, on va enlever ça parce que c'est un peu irrespectueux, je pense, il va voir ça comme ça, oh, c'est quoi, mais c'est pas ta pizza, mais il y a quoi? Encore mieux que de la pizza. Il y a un peu de thune là. On a mis un peu de thune. Mais bon, voilà, là je vais aller là. J'espère vraiment le trouver. Là c'est sûr que je vais le trouver là. Il est 8h. Il doit être là les gars. Il doit être là. Et 24 heures à faire ça, frère. 24 heures. Attendez. Je pense que c'est... Oh non. Oh non, c'est pas ici. C'est là-bas, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est là-bas. C'est juste en bas là. Oui, c'est juste là. Les gars, c'est juste là. Ouh, on est là. Vous en fiez de moi maintenant. Les gars, on a la même couleur. Mais non. On se rapproche du but là. On se rapproche du but. Après tant de péripéties. Après tant d'aventures, après tant de... Oh, on est là. C'est l'attente. Ah non, c'est pas... Frère. C'est pas l'attente. Mais je sais qu'elle est dans le coin. Elle doit être là. Allô? Eric? Les gars, je vois quelqu'un, mais André, il dort. J'ai pas envie de m'approcher là. Allô? Oh. Connaissez-vous un Eric? Il est où? Juste là? Je continue là? Ok. Pardon? La descente. Ok, parfait. Je continue tout droit. Hein? Ok. Wesh, les gars, c'est un autre. Les gars. Tu partages cette vidéo parce que regardez l'aventure qu'on a traversée. Et si t'es là de la vidéo, écrit aventure dans les commentaires. Regardez tout ce qu'on a traversé tous les deux pour pouvoir le trouver. Là, je pense qu'on est proche du but. Là, je croyais qu'on était déjà proche. Mais non, un de ses potes a dit oh, il est juste là. Oh mon pied, mon fucking pied vient de ce fucking négrafier. Pas ce fucking truc là. Oh. Wesh, il y en a qui dorment vraiment comme ça. C'est fou ça. Donc il est juste là, le bourgadier. Wesh, qu'est-ce qui m'a pris de passer par ici, frère? Oh non, maman. Oh shit.
Putain, ta mère, il a failli me faire mal, celui-là. Non, je peux plus passer, les gars. Oh shit. En plus, on porte une fucking sandale, frère. Abandonner, c'est pas maintenant que je vais abandonner là. La tête de Wam, c'est pas maintenant que je vais abandonner. C'est pas maintenant que je vais abandonner, je m'en fous. Le bouc m'a serré, frère. Il m'a piégé. Au lieu de me dire de faire le tour, il me dit passe par là. J'aurais pu facilement faire le tour et marcher comme un humain normal. Mais là, je vais marcher à travers des briques qui sont proches de l'eau, frère. Ouais. Prochaine fois, je vais prendre des souliers. Oh! J'ai pas pensé à j'allais passer par ici. Oh. Oh. Excusez. C'est plus facile maintenant. Ouais, ça c'est plus facile. Prochaine fois, je vais prendre des souliers. Est-ce que vous avez vu un homme ici là? Un homme. Un peu barbe, cheveux longs ici? Non. Ok. Vous réussissez à pêcher ici? Ça marche? Je viens d'arriver. Oh, ok, vous venez d'arriver. Waouh. Et quand vous pêchez, vous le préparez vous-même à la maison? Le poisson? Non. Non? Pas d'ici. Pas d'ici? Ah, ok. Parce que c'est trop pollué. Oh. Vous pêchez pourquoi alors? C'est quoi le but? Juste comme ça? Ok. Relaxer. Oh, relax, ok. C'est cool. Ok. Bonne journée. Yeah. À ce point, les gars, je pense que. Ouais. C'est la fin de l'aventure, les gars, parce que là, on arrive au bout. Le bouc a dit qu'il est. Ok, on va longer ça, ok? S'il n'est pas là, là c'est fini. Là je me casse, c'est bon. S'il n'est pas là, là je me casse, les gars. Bon. J'ai vraiment fait le maximum que je pouvais là. Ouais, d'accord, les gars, j'ai fait le maximum. Si je ne le trouve pas, son boug là, son pote là, que j'ai vu tout à l'heure là, je vais le donner à lui, peut-être une partie, et puis je vais lui dire de donner le reste à Eric. Tu vois, c'est la meilleure option, non? Parce que là, à force de garder toute la bouffe dans mon coffre et tout là, et tous les jours, prendre le gâteau, le mettre dans le frigo. Prendre le gâteau, mettre dans le frigo. Prendre le gâteau, mettre dans le frigo. Ça va être chaud, ouais, tu vois. Et la bouffe va pourrir à un moment. Si j'ai tout ça dans mon coffre, mais du pain, ça pourrit pas si rapidement. Des chips. Ok, mais frère, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment l'autre bonne option, non? Tu vois, je le remets à un de ces gars. Et là, le gars est comme l'intermédiaire entre nous deux. En plus, ça va être cool. Voyez-le de cette façon-là. Il va voir Eric. Hey, quelqu'un est venu te donner de la bouffe et tout. Il s'appelle quoi déjà? Junior. Anonyme, c'est genre. Oh, ça pue encore! Vous rappelez, les gars? Vous rappelez hier là? Ça pue le caca de fucking canard, frère. La meilleure option, c'est demander à un de ses potes. Et en plus, le boug, il a dit Eric. Eric, nanana, son nom de famille. J'ai un peu oublié là, mais ça veut dire qu'il connaît vraiment, tu vois. Si du moment où tu connais le nom de famille du gars, c'est-à-dire que t'es son pote, tu vois. Donc, je vais aller le voir. Peut-être la vérité, j'aurais pas la chance de partager la bouffe, tu vois. Je vais le dire à lui, il peut prendre ça et il donne le reste à Eric. C'est deux sacs, donc on va mettre deux sacs différents, il va le donner à Eric après. Et au niveau de la thune, là, je pense qu'on va repenser, hein, parce que si c'est pas directement Eric, ça, je peux pas faire ça. Frère, tout le monde veut de la thune, tu vois. Il va se dire, damn, il va plus jamais revoir Eric. Donc, je peux garder la thune avec, pour moi, tu vois. Et la thune, c'était... Bro, toi là, arrête de chier partout, ok? Ok? A few moments later. Non, je ne l'ai pas vu. Le fond de la descente, là-bas. Au fond? Il y a une descente de bateau, un peu plus loin. Oh. Avec 10 minutes de marche, maintenant. 10 minutes de marche. Ok, s'il n'est pas là, je vais vous amener tout ça. Ok. Ok, c'est bon. Souvent, le matin, il ramasse des canettes le matin. Il ramasse des canettes ici? Ah, c'est 5 heures du matin. Ok. Les gars, personne ne m'a forcé à faire tout ça. Qu'est-ce que je... Mais bon, c'est pas mauvais ce que je fais, tu vois. C'est pas mauvais ce que je fais. C'est ici, là. Là, c'est à l'opposé au fond, là-bas, là. Là, j'ai pris la voiture. C'est ici, la deuxième descente. On va descendre ici, on va voir. OK? Je pense que là où il est, ce que le bouc m'a indiqué, c'est là où étaient moi et Bijou la dernière fois, là, hier, là. Non, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Là, j'ai vraiment tout fait, là.
J'ai vraiment tout fait. J'ai vraiment tout fait. Il m'indiquait ici. Il n'y a rien. Bon, ouais, donc là, je vais tout prendre, aller voir son pote et tout lui remettre. On n'a pas le choix. Là, je suis fatigué. Là. Ah ouais, il faut que je prenne un peu de thune. La boîte de pizza, là. Frère, j'ai pas le choix de la vider, là, parce que là, genre, on n'a plus vu finalement. Donc là, je vais prendre un petit. Combien je vais prendre là-bas? On va prendre 20 balles. On va lui donner ça. Et c'est grave lourd, hein. Mais on est proche du but, enfin. On est proche du but, les gars. Donc, là, ça c'est pour toi. Tu peux regarder à l'intérieur si t'aimes ça. Je fais un jour. Oh, tu dessines? J'ai rien à faire. Waouh! Je disais, c'est pas beau. Artiste? Ça c'est le deuxième. Mais non, j'en ai des milliers chez nous. Chez nous, c'est loin que ça. C'est où? Ah! On est plus de chez nous. Non, mais j'ai du stock chez un de mes frères. Puis... Waouh! Des monstres. Je fais bien des têtes de la mort, des monstres. Des affaires de même. Wow. Ça, c'est Bill, je pense que hein? Le colocasse. Bill, le colocasse, ouais, ça me dit quelque chose. Mais c'est moi en langue. Oh, chère. Pas de allez. Les gars, regardez ça, il dessine bien, hein? J'ai rien à foutre de ce type. Les gars, dites dans les commentaires s'il dessine bien. Donc, j'ai ça pour toi. Ah, cool. Tu peux regarder si c'est pas trop sucré. Ah, du pain, c'est sûr. Du pain, oui. Des raisins. Tu peux voir des raisins. C'est des chips. Ah, ouais, des chips. Ouais. C'est quoi ton nom déjà, Junior? Junior, ouais. Ton nom, c'est quoi? Junior. Mais ton père, il s'appelait comment? Son prénom? Il s'appelle Junior aussi. Oui, ouais. Mais t'as pas un prénom? Non, j'ai Junior. T'es sérieux? Ouais. Parce que tu t'appelles Junior parce que maintenant, j'appelle mon fils Junior parce qu'il m'appelle Alain. Alain Junior, j'appelle, ok. J'appelle Junior parce qu'il a le même nom que moi. Uh-huh. Et moi, j'ai eu des filles. Oh, j'ai shit. Une fille de 30 ans puis 26 ans derrière moi. Uh-huh. Oh, wow. Il y a des fois ici. Ça, je vais donner ça à Eric. Ah, les raisins? Ok. Ah, c'est le sac d'Eric? Vous pouvez regarder. Donc, tu peux donner à Eric celui que tu prends pas. Sûr, ouais, c'est bon. Je vais passer par là. T'as okay. Pas vu sa plage là-bas? Non, je suis allé au fond. J'ai essayé de checker, mais j'ai pas vu. Alors, j'ai pas vu. Non. Souvent, il est parti. Il a allé. Ses ok, ouais, sûrement. Ouais, c'est pas grave. Mais tu peux lui passer le message aussi que Junior est passé aussi. Ouais. Il est passé. Ouais, c'est ça. Tu veux le pogner, là, c'est à souper après souper. C'est sûr que tu vas le voir. Ok. Il revient vers 5-6 heures des fois. Ok. Il bouge plus de lui. Ok, d'accord. Tabarnak. Damn, là, je suis avec Alain. C'est la journée. Damn. Votre nom, c'est Alain? Alain Roussel. Alain Roussel, ah. Ok. Russell. Wow. Russell Westbrook. Ça, c'est un joueur de basketball. Moi, non, je suis un ancien boxeur. Boxe? Ouh, chez. J'ai boxé amateur, moi, quand j'étais jeune. Donc là, genre, vous savez donner des coups, là? Ouais. Damn, faut faire attention c'est à lui, hein? Tu es là où je cachais, moi? Attends. 57. Hey, tu es bon. C'est ça? 58. Ouh! J'étais proche. Il y a 3 octaves, je vais l'avoir. Fait que j'ai 57. 57. Vous avez 57? Hein? 57? Ouais, j'ai 57. What? J'ai eu raison? Ouais, je suis bon. C'est bon? Ouais. Là, j'ai une fille de 30 ans. Ça. Elle est où? Elle a 28 ans. Elle est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Maison, son char, tout. Bien, elle habite à côté de la base militaire. À sa maison? Là, t'es à Saint-Hyacinthe. Oh, ils ont leur maison, leur char. Mais je comprends pas. Genre, comment elle peut... À 24 ans, j'avais une maison, un char, un bicycle à gaz, puis un truck. Et, ben, qu'est-ce qui s'est passé pour que, genre, ben, vous avez pu ça? J'ai eu, mettons, 5-6 femmes dans ma vie. J'en ai marié qu'une, la mère des enfants. Puis, c'est ça. Et, comment je peux dire ça? Elles vous ont ruiné, c'est ça? Oui, la mère des enfants, j'ai donné la maison. Elle a vendu 240 000. Après, aujourd'hui, ça vaut 400. Elle l'a vendue, elle fait des voyages. Aujourd'hui, elle travaille sur le BS, elle serveuse. Wow! Les autres, c'est ça. Je les ai tous quittés à un moment donné, après 2-3 ans. Elle, c'était 15. C'était 2 ans, 15 ans, 3 ans, 3 ans, puis 7 ans. Mieux damn! Là, c'est la dernière. Puis la star, ça fait 8 ans, c'est le bâtard. Je suis peint. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous soyez ici? Ah, mais maison, c'est ça. Moi, quand j'ai divorcé, j'ai donné ma maison à ma mère des enfants, puis elle elle a vendu. Acheté la pelle. Puis, mais pourquoi mes enfants avaient 14 et 10. Puis, j'ai continué à voir aux 2 semaines. OK. C'est ça. Moi, j'ai eu d'autres blondes. Puis, j'ai resté avec, mais je ne les ai pas mariés. Puis, j'ai retaillé toute ma vie, mais je ne me suis pas acheté une maison. J'ai wow. Acheté, mes blondes, avaient, que je me faisais, il y avait une maison pour un char. Puis, Mais pourquoi j'ai l'impression que tous les hommes, genre, itinérants, genre, c'est relié à des femmes? Même Eric, je pense, hein? En prison, il y a 95% des,
du monde qui sont là à cause d'une femme à Bordeaux. Oh my God! Soit leur mère, leur soeur, leur femme, c'est à cause de, d'une femme. J'ai remarqué ça, genre. C'est tout le temps ça. Je sais pas si c'est ça, mais Eric, il a aussi deux filles, hein, Eric. Ouais. Mais j'ai pas demandé qu'est-ce qui s'est passé, mais ça doit être sûrement comme vous, similaire. Ouais, ouais. C'est maintenant on quitte, puis c'est ça, les pas de vie deviennent adultes. Oui, les meufs là, il va falloir faire attention, je pense. Quand ils ont du temps, quand ils ont du temps, viens. Ah, viens ici, elle m'a trouvé. Elle vient ici? Mais pourquoi elles vous prennent pas chez vous? Genre, elles vous prennent pas chez elles? Ils veulent pas, ils ont une vie de couple. Ils veulent pas, ils ont pas d'enfants encore, là, mais ils ont une vie de couple. Mais genre, ils peuvent vous garder. Ils ont un sous-sol. C'est ça, sous-sol? Ils ont un sous-sol tout fini avec la télé. Je vais des fois passer 2-3 jours, je me mets à la Je suis assis à pas là. Mais est-ce qu'elle vous dit de vous rester comme vous voulez? Non. Mais vous... Elle vient me chercher et elle me fout dans l'autobus. Oui! Parce que moi, je parle tout le temps. Uh-huh. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne parlent pas. Uh-huh. C'est ça. Sur les nerfs, internet, les téléphones. Ah, ok. J'arrête jamais de parler. Je là, c'est le 1er juin, il m'a fumé. Je suis pas je parle. Blablabla. Ouais, c'est tout ça. Le temps, hein. Yeah. Même Eric, j'ai toujours dit les fous. Ah, ok. Ok. J'ai jamais besoin de ça. Wow. J'ai même besoin de me nourrir, j'ai le temps. Mais ben, c'est tout. Mais l'hiver, vous faites comment? Il fait froid, non? Regardez. Je suis en face de l'église, à la bibliothèque, de la bibliothèque, bien marche. Alors, été comme l'hiver, je suis dehors, ça fait 2 ans. Wow! Ça fait 10 ans que je suis dans la rue, mais l'hiver, je rentre dans les shelters. Là. Ah ouais, le. Pasteur. Tu sais, accueil bonheur, le pasteur. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vois plus là-dedans. Okay. L'hiver, je passe dehors. L'hiver bien dehors, ça fait froid, ça? Hein, Angèle. On s'habitue. On s'habitue à tout dans la nuit, même. Ouais. Damn! Les gars, c'est chaud, hein. Tu veux un petit jouet de la cigarette, tu veux petit? Non, je fume pas. Ouais, je fume pas. C'est pas bon? Mes filles, ils fument pas. Fument pas? Les non-fumeurs. Moi, j'ai commencé à 41 ans. À fumer? Wow, c'est naturel. Je m'entraîne pas dans la vie. Uh-huh. J'ai 8 bananes, j'ai 5 fumeurs. Purée, il est. Regardez ça, il a. Il a... Ouais, je pense même pas, moi. Il est musclé, mais il fume. C'est ça qu'il a dit. Ah, tu fumes pas de weed, c'est rare, un noir qui fume pas de weed. Ouais, il y a beaucoup de noirs qui fument de weed. Il y a beaucoup d'amis noirs qui fument du weed, ouais. Je sais pas d'amis noirs qui fument. J'ai dit ça comme ça. C'est à toi. Non, c'est à toi. C'est à toi. J'ai dit que j'allais te le donner. Mon ami. Ouais, j'ai dit. Bonne journée. T'inquiète. Tu veux nous voir, on est à l'église souvent. L'église. Saint-Antoine de Pédou, ça s'appelle. Saint-Foy. C'est où? Ouais, c'est devant un parc. À côté d'un parc? C'est juste une église. Saint-Antoine de Padoue. Il y a Vincent Sous-Marin à côté. Saint-Foy, il est comme ça, là. Quand tu montes en haut, ouais? Il est comme ça. Il y a okay. Saint-Laurent, le moine. Ok. Ouais, je vais essayer de voir ça. Vous êtes là tous les jours, ça? Tous les jours, tout le monde est devant. Tout le monde? Ok. Ok, vous êtes tous là? Je peux manger là, c'est gâchant. Ok. Je peux manger un repas, là. Entrée, dessert, café pour 4,25. 4,25? Ouais. Entrée, dessert, café. Ouais. Wow, c'est une bonne offre. Tout le monde paye. Hein? Ouais, peut-être je vais faire. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. C'est à midi. Ça commence à midi. Ouais. Je vais faire un tour. Tous les jours, du lundi au jeudi. Lundi au jeudi. Je vais faire un tour un jour. La dernière journée. Allez, c'est bon, Alain. Je vais essayer de vous voir. On est pas là, on est à midi. Ok, c'est bon. Je vais essayer de vous voir là-bas et tout. Et... Merci, mon ami. Ouais, moi, c'est Junior. Et tu peux. Tu vas aller loin. Merci. Tu veux faire quoi dans la vie? Dans la vie, je vais. Tu sais pas encore. C'est top. Avec ouais, c'est top. C'est top. Tu as besoin de quoi, là? Si tu peux t'aider, moi, je vais t'aider. Parfait. Hey. Allez, bye, Alain. Bonne journée. Hein. Bonne ouais. Merci encore. T'inquiète, ça fait plaisir. Les gars, après tout ça, on a enfin réussi à donner la nourriture à un intermédiaire à Eric, il s'appelle Alain. Et puis, frère, il est cool, hein. Le gars, il est cool. Frère, il a eu 6 femmes dans sa vie. 6-7 femmes. What? 6-7 femmes. Déjà, une femme, ça donne des maux de tête, ok? Juste une meuf, même pas femme, une meuf, ta meuf, ça donne des maux de tête, ok? J'imagine pas 7. Ça fois 7, frère. Hell no. Donc, les gars, je viens d'arriver à la voiture et c'est vraiment ouf, hein. Et ce qui me choque encore, c'est ce qu'il a dit, là, genre. 95% des hommes qui sont en prison. Ou qu'ils sont à la rue, c'est à cause d'une femme. Et le bouc Alain là. Donc là, tu vas me dire, il y a genre 15 ans, il était un gars, je ne vais pas dire riche, mais il avait de l'argent, il avait une maison, il avait une voiture, il avait un truck, il avait un camion. Tu vois les camions de voyage là, genre les petits, les camions où on peut dormir derrière, en famille et tout là. Il avait ça,
une voiture, une maison. Il était tranquille là, genre, ça, genre, il y a 15 ans là, il était homme tranquille, bien tout, il avait tout ça. Et là, il a dit qu'il a donné sa maison à sa femme. Elle a vendu la maison. Elle a fait des voyages et tout. Et lui, il a fini à la rue. God damn! Oh wesh! Oh wesh! Eric, je sais qu'il a, il a deux enfants, il m'a dit. Il a deux filles. Une de 19 et une de genre, je pense, 13, 14, un truc du genre. Wesh! Et ça devient... Je vais pas dire les meufs là, ma future meuf là. On va faire attention. Non, hell no. What? Donc là, genre, quand arrive, genre, les hommes, ils sont tellement, ils aiment tellement la meuf que ils finissent par tout lui donner, genre, et ils finissent à la rue. Peut-être je me trompe, peut-être je dis n'importe quoi, mais en tout cas, pour son cas, oui. Et je sais que sûrement c'est le cas de d'autres personnes. C'était bien et tout, et là, ça finit comme ça. Mais bon, je sais pas. Donc voilà pour la vidéo, les gars. Commentez ce que vous avez aimé de la vidéo. Et les gars, en passant, je vois déjà venir ceux qui vont dire, oh, il fait ça juste pour la vidéo et tout, là. Je le vois déjà venir. Non! Je le fais pas juste pour la vidéo, les gars. Eric, quand je le voyais avant, je l'aidais déjà. Quand je suis dans le métro, j'en vois, j'ai de la thune. Genre, un petit 2 balles, 4 balles. Genre, j'ai pas beaucoup de billets sur moi, mais genre, j'ai de la thune, je donne. Genre, je donne déjà de la thune. Genre, quand j'en vois, j'en donne. J'ai fait une vidéo juste pour pouvoir, genre, vous montrer, tu vois, genre, pour le faire, genre. Pour vous montrer comment est la vue de quelqu'un et j'ai découvert aussi. Mais sinon, donner, je le faisais déjà. Genre, c'est pas la première fois toute ma life que je donne à quelqu'un. C'est pas la première fois toute la life. Je vois déjà venir, c'est qu'on va dire, oh, il fait ça pour la vidéo. Non. Non, je le faisais déjà depuis avant. 2 hours later. Donc les gars, je suis rentré chez moi, j'ai pris une belle douche, je suis sorti. Et là, je vais faire des petites courses là. Et je suis encore. Regardez comment je suis sur place, genre il fait trop chaud. Je pense que là, c'est la canicule là, genre. On suit sur place, les gars. Sur place, je suis assis là, je suis en train de suer. J'espère qu'il y en a qui ont aimé la vidéo parce que la vidéo aussi. Je sais qu'il y en a, en regardant la vidéo, ils se sont dit, waouh, damn. Genre, il y a vraiment des gens qui vivent comme ça alors que moi, j'ai un toit sur la tête. J'ai des parents qui me donnent la nourriture. J'ai genre, frère, il me manque de rien, tu vois. Donc, on voyait des gens comme ça, une vidéo comme ça, tu vois, avec Alain ou Eric et tout. Je sais qu'il y en a qui pourront redescendre sur terre parce qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Maman, veut pas m'acheter la PS5. J'ai une PS4 et elle veut pas m'acheter la PS5. Hé, hey, reste avec ta PS4, tu vois. Il y a des gens qui n'ont même pas de play. Il y a des gens qui ne play même pas. Il y en a qui dorment dehors, genre, qui n'ont pas de play, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont rien, tu vois. Juste considère-toi chanceux. Oh, attends. Moi, j'ai un iPhone 8. Mon ami a eu l'iPhone 11. Je demande à ma mère l'iPhone X. Elle a dit non, moi, je veux un iPhone. Non. Pas besoin, ok? Il y en a qui ont même pas de téléphone, il y en a qui ont, ils ont rien, ils ont juste une montre. Alain, tout à l'heure, là, j'ai fait attention, j'ai vu, comme il a regardé l'heure, là, il a dit, ah, oh, attends, je vais voir, il est quelle heure? D'abord, il m'a dit, oh, il faut que je me lève à midi, il faut que j'aille, à 11h, il faut que j'aille prendre la nourriture. C'est comme, waouh, comment il sait, il est quelle heure? Là, je l'ai vu prendre quelque chose, là, j'ai cru qu'il avait un téléphone, il a regardé sa montre. Tu vois, il a regardé une montre là. Donc là, juste dis-toi qu'il y en a qui ont moins que toi. Juste, à chaque fois que tu veux déranger tes parents, maman, je veux la, frère, la caméra est bizarre, là. Frère, en vrai, je pense que c'est le soleil. Ah, je m'en fous. C'est bon, je pense que c'est le soleil. À chaque fois que je vais déranger ta mère ou n'importe quel parent en leur disant oh, achète-moi ça, mais mes amis ont ça, moi aussi je veux ça et tout ça, ils disent non et tu te fâches, dis-toi qu'il y en a qui ont rien, ok? Juste dis-toi qu'il y en a qui sont pires que toi, qui n'ont rien, tu vois ce que je veux dire? Donc là, en pensant comme ça, à chaque fois tu vas te dire oh, je suis vraiment content de ce que j'ai. Au moins, j'ai un téléphone. C'est pas l'iPhone X, mais j'ai un téléphone, tu vois. Like la vidéo, abonne-toi si tu fais une vidéo demain. Si tu as une vidéo demain avec mon petit frère, like la vidéo, abonne-toi. Mon petit frère et ma soeur, un truc comme ça. Là, je me casse là. Oh frère, regardez comment je continue à suivre sur place. Et là, je suis ruiné, frère. Je ne vais pas abuser, je ne suis pas aussi autant ruiné que si j'avais donné toute l'enveloppe à Eric là. Oui, dans l'enveloppe, j'ai sorti juste 20 balles, tu vois. Devinez, il y avait combien dans l'enveloppe au complet. J'ai juste pris 20 balles pour le donner à Alain, tu vois. Mais bon, devinez, il y avait combien au complet dans l'enveloppe. Allez, peace pour notre vidéo et partage la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo, c'est tout ce que je te demande, frère. C'est tout ce que je te demande.